Bonjour, je suis Arnaud Vachon, éditeur du site machine-outils.com. Pour ne manquer aucune de nos vidéos de présentation de machines, outillages et logiciels, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Je suis avec Pierre Engens de Repmo devant la machine de fabrication additive métal MLab de Concept Laser, une entreprise de GE Additive. Pierre, quelles sont les particularités de cette machine? Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la MLab 200R. Qui est la petite machine compacte de la gamme GE Additive. Donc c'est une machine basée sur la technologie de fusion laser sur lit de poudre, donc impression 3D métallique. Cette machine est capable d'imprimer différents matériaux, des matériaux non réactifs comme de l'inox ou du chrome cobalt par exemple, mais aussi du titane ou de l'aluminium. La particularité de cette machine, c'est son module tiroir ici, qui permet de manipuler de manière très ergonomique, pas dans la chambre, pas sous les optiques, mais de manière très ergonomique. Elle a aussi la particularité d'avoir cet équipement-là, qui est une boîte à gants. Donc la boîte à gants permet de manipuler des matières réactives comme le titane ou l'alu, à la fois en garantissant la sécurité de l'opérateur, mais aussi l'intégrité de la poudre, parce que la boîte à gants est inertisée aussi, donc sous argon. Donc voilà, c'est une machine qui rencontre beaucoup de succès dans les secteurs du dentaire et du médical, parce que c'est un volume de petite taille, hein, c'est 100 mm au cube. Mais elle peut aussi intéresser des universités ou d'autres industries de petites pièces. Retrouvez nos actualités quotidiennes sur les machines-outils, logiciels, outillages et services sur le site internet du répertoire de la machine-outil, machine-outil.com, tout au singulier, et n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn.